Bonjour, bienvenue, comment vas-tu? Je sais que tu as été dans mon cœur toute l'après-midi. On a eu un enseignement extraordinaire aujourd'hui, puis je l'écoutais, puis je me disais, va falloir que je trouve le moyen de leur traduire ça, c'est trop beau, puis si c'est moi, ça m'a fait du bien, ça va leur faire du bien. Alors c'est juste pour te dire que je pense à toi. Aujourd'hui, l'évangile, c'est un évangile d'une évidence. C'est un évangile où Jésus dit, est-ce qu'on allume une lampe pour la mettre sous la table ou la mettre sur la table? Est-ce qu'on allume une lampe pour la mettre sous le boisseau ou bien sur le lampadaire pour qu'elle éclaire tous ceux de la maison? C'est évident qu'on allume une lumière. Mais quelle est cette lumière dont notre monde a eu tellement besoin? A encore besoin, puis aura toujours besoin, c'est la lumière du Christ. Le Christ est lumière et il rayonne de ce qu'il est, il rayonne de lumière. On pense à Jésus, à sa naissance. Il naît presque à la belle étoile et il rayonne la pauvreté, la liberté de la pauvreté. Jésus, lumière, a 12 ans. 12 ans, il rentre au temple puis il instruit les docteurs. Qui est cet homme rempli de sagesse? Il est la lumière du monde. Il retourne chez lui à Nazareth, il va à la synagogue régulièrement en grandissant, et voilà qu'un jour, il prend le rouleau, on a vu ça dernièrement, il prend le rouleau du livre de Isaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, j'ai été envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, et c'est aujourd'hui que se réalise cette parole. Jésus révèle à ce moment-là aux gens présents dans la synagogue qu'il est le Messie et le Sauveur. Tout le monde n'a pas compris, mais ils ont vu quelque chose d'étonnant, de surprenant. Jésus se révèle au monde. Après ça, on voit Jésus aller sur le mont des Béatitudes. Il donne toute la mentalité dans laquelle il veut que nous vivions. Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux les miséricordieux, vous êtes le sel de la terre. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Présentez, quelqu'un vous frappe là, présentez l'autre côté, en voulant dire, cherchez pas à vous venger. Jésus a été une lumière brillante dans les ténèbres et un endroit où il est si brillant, c'est sur la croix, où on le revoit dans l'attitude fondamentale de son être de fils. Jésus obéissant, amoureux de son Père, amoureux de ses frères. Et cette lumière brille, elle brille partout. Il y a des croix partout. Je me souviens, enfant, j'avais été hospitalisée, puis durant ce temps-là, dans les hôpitaux, il y avait encore des croix dans les chambres. Et quand tout le monde partait le soir, quand la visite partait, et que j'avais très mal, je regardais Jésus en croix. Puis, c'était comme une lumière de quelqu'un qui me comprenait, qui savait ce que j'avais. J'avais eu plein de fleurs, j'avais eu plein de chocolat, c'est à cause de mes parents. J'avais eu plein de cadeaux. Mais ça ne me consolait pas. Mais de regarder Jésus sur la croix, avec les genoux brisés comme les miens, eh bien, je disais, il y a quelqu'un qui me comprend et qui m'aime. Jésus sur la croix est la lumière de notre âme. Je te le dis, c'est vrai. Et cette bonne nouvelle, Jésus a missionné ses premiers apôtres. Il leur a dit, allez porter la bonne nouvelle, allez dire aux hommes qui sont aimés, allez dire aux hommes qui sont pardonnés, allez dire aux hommes qu'il y a un Père au ciel qui les attend. Allez leur dire, allez, je vais vous envoyer avec les signes en plus. Vous allez accomplir des miracles, vous allez accomplir des guérisons, des libérations. Allez dire aux hommes la bonne nouvelle que je suis le Sauveur et qu'ils sont sauvés. Ça coûte cher, par exemple, aller porter la bonne nouvelle. Ça coûte son temps. Ça coûte parfois sa réputation. Regarde le fou qui parle là. Regarde pour qui il se prend, lui.
On rit des personnes souvent qui portent la bonne nouvelle. Ça coûte la vie. Les martyrs d'aujourd'hui, on n'a pas besoin juste d'aller dans les martyrs du premier siècle de la chrétienté. Tous les martyrs aujourd'hui au Moyen-Orient, tous ceux qui professent leur foi, qui sont tués à cause de leur foi en Jésus-Christ, ce sont des porteurs de bonnes nouvelles, des lumières qui viennent nous questionner et qui nous disent « Suzanne, Adrienne, ta foi, elle est comment? Ton amour pour Jésus, il est comment? Ton annonce de la bonne nouvelle, elle est comment? » Parce que on est toujours confronté à révéler notre foi. On va à la messe le dimanche, tout d'un coup on rencontre quelqu'un, puis nous dit « Qu'est-ce que tu as fait ce matin? » Pas grand-chose. Non, mais t'as fait quoi matin? Ben, je suis allée à messe. Tu crois encore à ça? Oui, mais c'est une habitude. Et c'est faux! Mais on n'a pas toujours la force de témoigner de notre foi. Le temps des impôts s'en vient pour les gens du Québec, les gens du Canada. Le temps des impôts s'en vient. Qu'est-ce qu'on va choisir? L'honnêteté ou on va essayer de se sauver de quelques, pour gagner quelques centaines de dollars? C'est pas des gros mensonges. Le gouvernement est riche. Tout le monde le fait, je vais le faire. Est-ce que c'est ça de témoigner de ma foi? Non. On peut surprendre, par exemple. Quand ça arrive le temps du partage, de l'aide. Je parle pas pour vous autres, vous avez été tellement généreux, particulièrement avec Haïti, généreux au cours des dernières années. Mais quand j'entends, moi, charité commence par soi-même. Oui, tout pour moi, rien pour les autres. Moi, un petit peu. Notre foi. Témoigner du Christ. Témoigner de la radicalité de l'amour du Christ. Quand on se demande jusqu'où on devrait aller, il faut s'arrêter, faire silence, puis regarder Jésus. Aimer, jusqu'où faut-il aimer? Quelle est la mesure de l'amour? L'amour n'a pas de mesure, mais le Christ demeure une lumière de sagesse. Questionne-le et tu vas voir la réponse qu'il va te donner. Je te souhaite une belle journée. Je te dis qu'au fond de mon cœur, je suis déjà en train de préparer notre neuvaine pour la Saint-Valentin. Et je pense que ça va être un rendez-vous pendant 9 jours de temps qui va nous réjouir le cœur, chacun d'entre nous, moi et toi. Au revoir, bonne journée, à demain.
sois.